الزول في اللون، الزول في اللون، التشمتين أي شمتين، الزوغة وليو سوى وني يكسر لابيتود دا سيدينيغ. سو ني با ان سلوغون، الزول ولن نزول أسنيني إيوي ذاك إكبغان أغسن قرن باللي نلا وانيلي ونسروزو ونكنو الزول ولا نزول باش فهمن إعداونا إعداون تودرث إكبغان هذا سلوغن القاعة من الطريق ثقافة أكني يسلوغن ليبيا ثورة أزرف أم كيف ثوغال ثامور ثنت مزغا سامبوليزي بار سو درابو النايجي أجوردوي نو سامو لو 30 أوت 2023 أن يجي سعر زال مقرن pour les Amazigh de toute l'Afrique du Nord et les Amazigh établis à l'étranger, sans les oublier, parce qu'ils sont le pivot central pour la préservation de l'identité Amazigh nationale. N'tmezra. شي حاجة الجزائر كان على كابيلي أكني دنيا أن يجي يسعى أزال مقران أشحال مزيغ نضحا في الجليس باش ثمر ثقينا تسوغ على الرصليس 14 قرن سميد يكشم الإسلام غورنا إمرني إنكشم قلا كريز إيدنتيتي أم كي قارن سلوغا نسن لوغا نتعرف أزمة الهوية لا كريز دو ليدنتيتي ناسيونال ألجيريان ثورة أقلاغ نتخمم داشانيلي أم كغرن من قبل ما ديس الإسلام الذي مزيغ إمي ديس الإسلام رانا غضار أقلع ثورا نكشم أكني دنيا جيوث لا كريز كي نا با ديسو جوشكا ما كي نا با ديسو أشفوث إيوا ولدي ليديولوجي عرب وباثيس اسلاميست يكدميرن وقذو ذا مازيغ باش تفرقن افضون سين اي مازيغان يطفن غلاصن سنة من كني اي مازيغان يقنكرن غلاصن سن يكتب عن الاعراب هادي يتيوسان سي الشرق ارثورا مازال حكم الزبنة عقلا غدا ونستعمر بارغ إبا لانيفرسير دو درابو أمازيغ كوانسيد افيك لو 30 أوت 2023 دو شاك اني لو درابو أمازيغ أ أون دات هيستوريك دون لو موند Et c'est le drapeau le plus brandi au monde, parce qu'il est très joli. Et les gens qui l'ont confectionné étaient des vrais patriotes au profit de l'identité amazigh et berbère. Mohamed Arab Besoud, à faire Hamar bien Moujahed, et Ferran Zaharki. L'Académie berbère, dont je lui tire chapeau, qui a veillé à ce que ce drapeau soit symbolisé
par une journée mondiale inscrite dans les instances internationales. La journée mondiale du drapeau amazigh, celui-là, qui est symbolisé par la lettre Z, qui veut tout dire. L'homme libre, l'homme qui défend sa patrie, sa terre, contre les colonisateurs. Par comparaison à ce que je viens de vous dire, ce qui s'est passé au Niger. Vous savez, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Le président déchu, Bassoum, je ne sais pas comment il s'appelle, eh ben, était d'origine arabe. Oui, il a commandé le Niger, mais heureusement, les vrais Nigériens ont compris, ont su que ce Bassoum, ce président illégitime, ce président implanté par la France, donc il y a une jonction entre l'arabe et le français pour dominer toute l'Afrique et nous dominer aussi. Nous vivons les mêmes problèmes. Et je pense qu'à l'avenir, que les vrais Algériens, les vrais Berbères qui croient à cette identité, qu'ils bougent pour balayer tous ces arabo-baathistes islamistes qui dépendent de l'Orient, protégés par la France coloniale. Oui, il y a un amour mutuel entre les Arabes et les Français pour nous dominer. Et cette histoire d'Emir Abdelkader en est une preuve tangible pour créer un peuple arabe sur une terre amazigh. C'était le projet de Napoléon III, en collaboration discrète avec l'émir Abdelkader et ce royaume arabe qui allait être installé à l'ouest algérien et comme capitale la ville d'Oran. La ville d'Oran qui a connu récemment cette dispute politique menée par le pouvoir algérien et le refus catégorique du peuple algérien contre l'édifice d'Emir Abdelkader à la montagne de Morjajou, à côté de Santa Cruz. Voilà, c'est ça la réalité. Un harki honoré par le président Tebboune et Chingriha quand il était au passage à Oran le mois passé. Il a soutenu la thèse de Tebboune de gaspiller de l'argent des Algériens qui est égal à 120 milliards pour une statue d'un harki qui était l'allié principal et l'ami fidèle des Français. Il est un franc-maçon. Voilà pourquoi ce drapeau vient aujourd'hui et on vient avec lui le fêter ensemble, tous les Amazigh, là où ils se trouvent, fêter cette journée internationale, je dis bien journée internationale du drapeau Amazigh. Ce que je déplore à travers cette vidéo, s'il vous plaît. Priez pour que cette présidente du Congrès mondial Amazigh emprisonnée par le pouvoir colonial algérien, qui se trouve aujourd'hui entre les quatre murs dans une prison algérienne. C'est malheureux de voir ce congrès mondial amazigh à sa tête, Namira Kamira Naït Saïd. C'est une honte pour nous, amazigh, de rester bras croisés, ne rien faire contre ce pouvoir colonial algérien. Ce congrès mondial amazigh qui est né aux îles des Canaries, aux îles Canaries, dans leur première réunion qui a regroupé tous les Amazigh du monde et leurs représentants pour décider de ce drapeau et de l'officialiser comme drapeau qui fait l'union de tous les Amazigh du monde. Et c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous et pour tous les Amazigh et pour tous les non-Amazigh d'ailleurs. Il est très bien aimé
même par les non-Amazighs, ce drapeau leur plaît beaucoup. Les martyrs qui sont tombés à cause de ce drapeau, à leur tête, Matob, Luna, Satir Hamarbi, Ashadi Gnouda, Imigmous, sur le gel l'identité amazigh, Yernaï Netil Ksourachi, Ashan Tikwal, je suis berbère, je suis amazigh. Et on va, Mazir, sous le flèche de Nord, il s'amuse à Smurfagi. Attends, Zaram, le cursus de formation pour cette rentrée scolaire, la Mazirti n'existe pas dans certaines années. Il n'existe pas. Le français existe, l'arabe existe, l'anglais existe, mais c'est Mazir tous les chites. Voilà ce qu'on appelle le déni identitaire que le pouvoir mène aujourd'hui contre tous les Amazighs et contre lui-même en personne, parce qu'il était, il est endoctriné par ce système arabo-baptiste, par ces Arabes qui n'ont pas de race. Amkiskarn, Sara, Mjouli Nesb, Wigi Arab, Nusayn Naralasal, Bhana Gharun Namak Nusaralasal. Akun d'accord avec Kaitagi. Et Washun Sara Usayn Naralasal. زيك قل جاهلية أعرف ناقي وزق جنرى جمان الخلاف قيطون أشحال ورقاز إك جمان تنطوث نيا تنطوث إك جمان إرقاز إنيلال غرس أقروذ أم كسمين أقرو عن الشيخ القبيلة أسرح نطيس النس الجوف شيخ القبيلة يكس عن ينطوريتي سبيريتير سر القبيلة بقارة ساقليس الحمل أمكد خدمة إلا قيون زكسن أذيوي إسميس إبا أذي جمع ويذك يقروحنك جمع انتنطي ساقياسيني يون زكسن إلا قا أذي صرح بالليد وقيد ميس إبا كيلون وعربن أخشش إني نعقروث إني أذيل ولن ويسعر على الأصل ويسعر على باباس جينيتيك باباس الأصل ولاش أكني يفلول سلالية جي بعرضن إديوسان غورنا بغان أخزون نفس العقلية لا ميم بونسي كوم أون ريفوز أون ريفوز أون تان كامازيغ كون تيل أتيتود سوا إنستوري شي نو. Malheureusement, certains berbères et certains kabyles notamment suivent le chemin de ces bâtards, hachakoum. Je m'excuse de vous employer ce terme. Oui, la Kabylie aujourd'hui est devenue dangereuse. L'implantation des mosquées un peu partout pour endoctriner nos jeunes dès leur bas âge, pour qu'ils grandissent avec ces mêmes idées. Pour diviser encore la Kabylie qui est encore divisée et subdivisée parce que le pouvoir yharch yizra amk a dit dominer la Kabylie yizmirara khazwara yizmirara dominer la Kabylie sura khadim sidin soit wal rabbi awal rabbi ba'ath lasin awali dinan billi ikhtilaf al asina rahma machi niqma. ولكن هذا بويا ديثان يفدو كان غرزاه باش عرب بور عربيزي لا كابيلي يعني سي لو ديرني باستيون كي ريست بور لو بوفوار بور لو دوميني اي اوجوردي جو كروا سي لي كابيل نو ريسيسيس با لور بوزيسيون فيزافي دو بوفوار اي فيزافي دي كاتيسي جو لونس ان ابل بور دينونسي سي كاتيسي كي ترافاي افيك لو بوفوار كونتر leur propre région, leur peuple, propre territoire kabyle. Donc, cette commémoration de cette journée internationale du drapeau amazigh n'est pas venue comme ça. C'est après beaucoup de sacrifices menés par le Moudjahidine, les 500 martyrs qui sont tombés en 1963 contre le pouvoir usurpateur, le pouvoir
le Oujda qui s'est accaparé du pouvoir central. 500 morts qui sont tombés sont tous des Amazigh. La majorité des prisonniers aujourd'hui sont en majorité kabyles, c'est-à-dire berbères. Donc, le pouvoir algérien mafieux est un pouvoir anti-kabyle. Il mène l'anti-kabylisme dans tous les secteurs. Et on lui dit, en toute franchise, que les Kabyles plus spécialement et les Berbères en général sont là. Amkikarn, Adaouda, Slobo Yabi, Azoul ou Alanazoul, Unngrara, Anili ou Mazal Anili, Rabbi Khalkar, Mfnibhana Aksin, et ben, Anna Yabi. Il a بغانا غرن ذي غريب قسمور ثنوغ يرنا دلا كونستيتيسيون الجيريان 2025 برمي نوفمبر الران القاعة يمازيغ القاعة الماسينيسا ديو غورتا الران القاعة تعرف أما كن سجاد نغر الزاف اسما ذكفون البروجي لا ديكابيليزاسيون اتوغال الجزائر راك تعرف على خاطر ساسن المادة دينا بالدستور باللي القاعدة الجزائرية تعرف وفني صور ربي أدعوذ كان لي أني لي أفوز كفوس باش أنكسو ذابو ياقي سلهنا ماشي سو بريد النظام نكون زمراس بريد النظام نزمراس نسعد دليل ثورانا من هاد الشي خدمنا 80% دي مارتير سون دوريجين كابيل. Oui, l'encadrement, l'organisation, c'est les Kabyles qui l'ont fait. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas pour minimiser un petit peu leurs efforts. Les autres régions ont aussi participé, mais les Algériens qui ne sont pas Kabyles reconnaissent cette réalité. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Algériens. Et c'est eux qui m'ont dit ça. Et j'espère qu'ils voient cette vidéo. Ce qu'ils m'ont dit, c'est grâce à la Kabylie qu'on a eu notre indépendance. Et confisquée en 62 par ces arabo-bafistes qui sont venus du Maroc et qui sont venus de Tunisie. Et voilà, nous récoltons ce que ce groupe de Oujda a semé. Et nous sommes aujourd'hui en crise d'identité. Mais la réalité vaincra. Brûler la Kabylie, c'est brûler l'identité kabyle. Oui. C'est ce génocide perpétré contre la Kabylie, c'est tuer tous les Kabyles. Pour qu'ils ne laissent pas de traces, pour qu'ils ne laissent pas de racines. Mais notre diaspora, que je salue, qui se trouve aujourd'hui à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout. C'est une diaspora éveillée et qui combat avec grande haleine pour que cette identité soit préservée à l'extérieur. Et ces cadres kabyles qui sont au Canada viendront un jour gouverner Femaza, soyez sûr. Oui, les kabyles sont très intelligents. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont de braves gens, ce sont des bosseurs, des travailleurs. C'est le témoignage des grandes puissances qui avouent cette réalité que le pouvoir n'accepte pas aujourd'hui, de ne pas accepter la réalité. Si un jour la Kabylie sera indépendante, c'est l'effondrement de tout le territoire algérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Kabylie qui supporte encore par le sang, le non-effondrement de l'État algérien.
pas du pouvoir, de l'État algérien n'existera plus si un jour les Kabyles quitteront l'Algérie. Que j'espère pas, mais le pouvoir pousse cette région vers une autre solution, c'est de se séparer carrément du territoire algérien et réclamer une indépendance qui est sous forme de projet posé entre les mains de l'ONU, notamment au niveau de la 4e commission de l'ONU de la décolonisation. Vous allez voir, le pouvoir abruti, illettré, des généraux qui ne savent ni lire ni écrire. Et vous avez comme exemple M'choumig Mouten Salah. Niveau ardoise, niveau 4e moyenne, commande toute l'armée composée d'officiers intellectuels formés dans les grandes institutions militaires dans le monde, commandées par un bourricot. Voilà comment il nous a conduits, il nous a ramenés un président malade comme Bouteflika qui croit encore passer en deuxième mandat, avec un dossier médical falsifié et c'est Glaïliam qui a carré et Gtabilen pour le deuxième mandat. Nous refusons le deuxième mandat de Tebboune. Nous voulons un changement radical pour instaurer la mazirité avec toute sa grandeur. Oui, avec toute sa grandeur, aujourd'hui, Tamazight est marginalisé. On ne lui donne pas tous les moyens pour évoluer, pour prospérer. Récemment, quand Nesla Guimi, Louise Hanoun, président du Parti des travailleurs, il dit non à ce Gouassagui, ou lâche le budget pour le Haut Commissariat à la Mazirité dirigé par Hachmi Assad. Il n'a qu'à dire sa vérité. Cette vérité existe. Qui c'est cela? Il va chouïk le budget pour la Mazirité. Atni, Bachat Sinsen, Bachout Silara Tamazir, ou Sahara. Les moyens nécessaires pour évoluer. Oui, la non-généralisation de l'enseignement du Tamazight à travers le territoire national est un crime. Oui, est un crime. Pour terminer cette vidéo, s'il vous plaît, pour cette commémoration du 30 août 2023 concernant la journée internationale du drapeau Amazigh, je tire la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme pour ce que je viens de vous dire. Et ce que je veux vous dire, récemment, à Knidinir, à la vidéo Sengarouf, à Tlachouyaf Laoun, à la Koulihal, chers les invités, au Sahara, l'Ouchfatas, Bachadana, les vidéos, mais Fegui, Sengarouf, après la dernière, à Knidinir, blé, de qui j'ai été victime. J'étais victime, il l'a dit une autre chose. Ils ont refusé, sous prétexte que ce prénom n'existe pas sur la liste. Est-ce vrai? Voilà l'hégémonie de l'administration algérienne. Et c'est un appel que je lance à Hachmi Assad. Il y a une mairie, quelque part, comme les autres mairies. J'ai lu ça à BRTV, que le prénom de Dihia a été refusé à Oran. Et ce prénom proposé par un père, je ne donne pas le nom et le prénom. Ce nom et ce prénom a été cité à Bouira par Hachmi Assad en personne. Et après maintes réclamation, enfin, ce prénom a été inscrit et transcrit. Pour mon problème, oui, je me suis disputé. J'ai tous les vocaux. De la première démarche jusqu'à la dernière,
où j'ai fait une conclusion qu'il y a dans l'administration, et c'est un appel que je lance au ministre de l'Intérieur, de faire une ordonnance ou une circulaire pour inciter ces commis de l'État qui ont failli à leur responsabilité, qui refusent des prénoms inscrits sur la liste, sous prétexte qu'ils n'existent pas sur la liste, après réclamation et des démarches dangereuses que j'ai faites moi-même. Ils ont pu l'inscrire et revenir sur leur décision. Je ne peux pas vous présenter le vocal. Je l'ai. J'ai le vocal de chaque personne qui travaille dans cette APC. La vidéo, je l'ai. Mais je ne veux pas, pour ne pas polémiquer. Je veux tout simplement tirer la sonnette d'alarme, comme je viens de le dire. Et on a aussi, par entêtement, on a ajouté un autre prénom. Le premier prénom, c'était Axel. Qui ne connaît pas Axel qui représente ce drapeau? Qui représente ce drapeau? C'est notre ancêtre, Axel, parce qu'il a une relation avec l'invasion arabe. Et c'est pour ça que ces commis de l'État ont refusé, parce qu'ils savent que le contraire de Axel, c'est Uqba ibn Nafar. Cet envahisseur, Amkir Qarn Sa'araf, il a dit Seba, Fatayetna, 80 000 femmes, jolies femmes, à l'Orient, pour jouer avec, sous la coupe de l'islam, alors que l'islam était loin de ses attitudes, de Uqba ibn Nafar, ce sanguinaire qui a dilapidé les richesses de l'Afrique du Nord, au nom de l'islam. Eh bien, Axel, on lui a rajouté le prénom de Massil. Et quand le premier a été transcrit, on est allé aussi ajouter un deuxième Massil. C'est l'origine de Axel, les Massiciles. Eh bien, il a été inscrit aussi quand on a récupéré le livret de famille. On s'est étonné. Parce qu'après avoir transcrit Axel, il n'y avait pas de place entre le prénom et le nom. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas compris. On n'a pas trouvé la solution. Comment ils ont fait pour ajouter le deuxième prénom entre le nom et le prénom, le premier prénom qui est Axel? Ce sont des génies. Les génies de l'administration algérienne. Pour ne pas divulguer cette réalité par peur, moi je pense à leurs enfants, ces fonctionnaires. Je pouvais faire un live en direct, mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé doucement, mais sûrement. Je sais que ces commis de l'État sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Et là, j'accuse les chefs de service qui ne font pas leur travail. Eh bien, Ranarmhoun, eh bien, Outsmara Axel, Outsmara Massil, Outsmara Yogurta, Outsmara Massinissa, Bacharren, une minorité, fera me refuser 1 000 Axel, à se remplacer. C'est un prénom arabe. Il n'y aura plus de Mazir. Parce que quand on propose un prénom, il a une relation directe avec l'histoire. C'est la même chose avec Axel. On aura l'histoire. On aura le haqiqa. Mais c'est un akhba. On aura l'histoire. Mais quand l'histoire en Algérie, la période de Nin Akhba. Avant Akhba, il n'y avait rien en Afrique du Nord. Voilà. Donc, pour terminer, je lance un appel à tous les Berbères du monde de préserver cette identité ancestrale, l'identité de Massinissa du Yogurta,
Ce grand pays qui est Mazra, qui aujourd'hui nos ennemis veulent le détruire, veulent détruire notre Mazra. Ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Tunisie, ce sont nos ennemis et plus particulièrement les islamistes. Oui, ces islamistes qui sont en train de démolir Temesgan Nord, d'arabiser Temesgan Nord et surtout les frères musulmans. Ces frères musulmans qui sont téléguidés, qui sont gérés par Israël et par les États-Unis d'ailleurs. Cette organisation des frérots n'est pas sur la liste des organisations terroristes comme Hezbollah. Voilà pour terminer, pour ne pas tarder. Brooklyn, Assadi, 30 août 2023, pour fêter ensemble cette journée internationale du drapeau Amazigh, Aslami Wachigar, Imazigh Nimara, Andamalan, Glezil Kanari, Alamel Siwa, la Diaspora, Imazigh Andamalan, Canada, les États-Unis, je les salue beaucoup et restez unis. C'est ça mon dernier message. Restez unis et vous allez voir. Chassez les KDS qui sont parmi vous, les dénoncez, même dans les douars, dans les villages, dans les djarats. Il faut les dénoncer. Les dénoncer et dénoncer ces attitudes qui vont à l'encontre du destin berbère et du destin kabyle. Eh bien, pour terminer, récemment, Cannes, ils ont interdit la deuxième édition du livre pour enfants en Kabylie, sans aucune cause. Voilà un autre déni, un autre refus de l'État mafieux, du pouvoir mafieux algérien qui refuse des cafés littéraires en Kabylie, mais il ne refuse pas ailleurs. Voilà, c'est une guerre qui est déclarée contre nous et Ajmer. C'est une guerre qui est déclarée contre nous. Il faut se préparer pacifiquement pour répondre très prochainement au pouvoir que nous sommes unis, que nous sommes comme une seule main pour défendre notre Kabylie et notre identité amazigh, là où se trouve Akondéner, Azul, Walanazul, Arsikil Inch'Allah, Sanmirth, bonne journée à tout le monde et à toutes et à tous. Au revoir.